Salut à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur toute l'actualité du Barça. Comme vous le savez, euh, on va évoquer le match également contre le PSG. Il y a beaucoup d'infos euh, sur l'absence la, ou la présence des joueurs euh, tels que Pedri, De Jong, Christensen, etc. Donc on va revenir sur ça. On va également on va re revenir sur des informations Mercato, puisqu'il y a des nouveautés. Il y a également d'autres informations sur la prolongation ou pas de certains joueurs. Donc on va, on va vraiment faire le point euh, de manière générale sur toutes ces informations. Allons-y on débute, on débute la vidéo avec évidemment l'information la plus importante en vue de ce match contre le Paris Saint-Germain. Le Barça a organisé un match euh, donc, lors de l'entraînement hier euh, avec euh, donc, euh, Pedri, De Jong, Christensen qui ont participé à cet affrontement d'entraînement. Euh, de Jong est le seul joueur qui a participé à, à tout ce match. Ça s'est plutôt bien passé de manière générale pour les trois joueurs qui ont tous eu euh, des bonnes sensations. Christensen et de Jong, euh, Christensen et Pedri pardon, eux n'ont pas terminé le match, mais se sont bien sentis. Donc normalement, euh, je pense que Pedri ne devrait pas participer euh, en tant que titulaire en tout cas au match aller contre le Paris Saint Germain. Manque de rythme, etc. C'est logique. Je ne sais même pas s'il participera tout court même au match aller mais en tout cas, Christensen et De Jong, il est probable qu'ils soient même titularisés euh, pour ce match contre le Paris Saint-Germain, ce qui pourrait donc donner au Barça euh, donc euh, beaucoup plus d'options au milieu de terrain. Euh, on sait que le Barça a besoin d'un 6, et en ce sens, l'absence de Christensen aurait fait beaucoup de mal, donc sa présence est essentielle, et pour le milieu de terrain complémentaire, De Jong, Sergi Roberto, Fermine, euh, l'un des, enfin, des trois va participer à ce match, et euh, personnellement, je préférais quand même que ça reste Frankie de Jong, qui est essentiel euh, pour ce match avec Gundogan qui devrait également être bien présent. Et devant, ça devrait être Rafinha, Lewandowski euh, et la Mal. Donc pas de surprise à ce niveau-là euh, pour le Barça. Mais en tout cas, bonne euh, nouvelle pour le Barça. Les trois joueurs ont fait le match. Ça s'est plutôt bien passé. Donc de ce côté-là, c'est positif. Maintenant. On a vu passer beaucoup d'interviews, euh, Lamignama, Lewandowski, euh, Gundogan, Sotons euh, expliquer par rapport à ce match contre le PSG, et je trouve que celui qui a eu le discours le plus logique, hein, ça reste Gundogan, c'est logique, l'expérience est là, il explique que ce serait un match compliqué, euh, que c'est un match que le Barça euh, doit évidemment prendre du bon bout, bien commencer, pressing, il rappelle encore une fois que pour gagner, il faut avoir beaucoup perdu avant et que l'évolution du Barça fait que aujourd'hui il y a de l'espoir quant à une victoire en Ligue des Champions même si ça sera compliqué, il pense qu'avec le tableau qu'on a, il est probable qu'on puisse aller en finale mais pour cela il faudra faire de bonnes performances contrairement à ce qui s'est déroulé euh, lors du dernier match contre la Spalma selon lui, euh, le Barça n'a pas fait un grand match, un bon match euh, mais pas assez efficace et euh, il rappelle que le match référence reste le match aller et retour contre le Napoli et il met en avant que le Barça doit faire un match de ce niveau-là pour être le, le plus proche de la qualification euh, au Parc des Princes puis à Montjuïc. Donc intéressant d'entendre Gundogan qui euh, calme le jeu, qui évidemment ne prend pas de haut l'adversaire. Euh, Lewandowski avait un discours assez similaire euh, sur ce point-là alors que la Mini-Amal. Bon, lui a été très confiant en disant qu'il voulait que le Barça se qualifie, qu'il marque un but. Bon, c'est logique, hein, on ne va pas se mentir. Euh, dire l'inverse aurait été choquant. Donc la mina beaucoup de confiance, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'insouciance. Euh, la part, et de la Ligue des Champions comme étant un rêve pour lui d'y participer. Donc euh, pour lui, l'objectif, c'est de marquer un but et de qualifier. Le Barça. Donc, très intéressant d'entendre les protagonistes du match. Maintenant, on va parler un peu d'infos. Un peu d'infos mercato, un peu d'infos prolongation de contrat. Alors, ce matin, tu as Mundo Deportivo qui sort l'information selon laquelle le Barça aurait communiqué à l'entourage de Sergi Roberto la volonté de prolonger le joueur d'un an supplémentaire et que les négociations débuteraient lors des prochaines semaines. Donc euh, importantissime euh, cette information parce que Sergi Roberto, c'est un joueur qui chaque année, on se dit bon, il va peut-être partir et finalement, il ne part jamais. Et vraisemblablement, Xavi aurait donc conseillé au club de garder euh, le capitaine Blaugrana une saison de plus et euh, puisqu'il aide l'équipe lorsque le Barça en a bien besoin. On voit que c'est un joueur qui est évidemment bah, pas au niveau des grandes Europe, euh, mais le club considère que c'est un joueur qui peut apporter en sortie de banc, qui apporte également dans le vestiaire et qui n'a pas un énorme salaire non plus. Donc selon toutes euh, ces caractéristiques, euh, selon des Deportivo, le club considère que la prolongation de contrat d'un an de Sergi Roberto serait une chose plutôt positive et qu'il a aidé surtout le club lors de certains matchs, notamment contre le Napoli ou même un petit peu avant. Donc voilà pour l'information concernant le futur de Sergi Roberto. À voir si ces négociations vont fructifier ou pas. Si l'information est confirmée par d'autres journalistes, par exemple. Mais pour l'instant, l'information, c'est que le club aurait communiqué sa volonté de le prolonger. Ensuite. Euh, concernant d'autres informations, il y a le, le nom de Nico Williams qui intéresse beaucoup. Bon, vous l'avez vu, l'Athletic Club de Bilbao a remporté la Copa del Rey hier. regardé le match, c'est pas un grand match de Nico Williams. Il finit quand même homme du match. Bon, pourquoi pas? Euh, c'est un joueur très intéressant, euh, ni au, surtout au niveau du dribble, il peut faire la différence, pas très efficace devant les cages, mais c'est un joueur qui a un profil assez intéressant. On sait que sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros, qu'il a prolongé cette saison, il aurait pu être libre en fin de saison, mais bon, son club formateur, euh, personne ne l'aurait vu partir libre, hein, c'est logique, sa clause est à 50 millions d'euros, il intéresse beaucoup en première ligue, notamment Chelsea, Manchester United, mais également le Barça qui est très intéressé, selon Monde de Deportivo, le joueur serait très intéressé, serait ravi de porter le maillot barcelonais dans le futur. Pour l'instant, on n'a pas de précision concernant euh, quel futur il s'agit, mais le Barça le veut. Le Barça le suit avec beaucoup d'intérêt. Il y a même des contacts entre l'entourage du joueur et le Barça depuis de longs mois et ça ne s'est pas interrompu malgré la prolongation du joueur. Pour rappel, c'est un joueur qui joue sur le côté gauche, qui a un profil dribbleur qui a un profil qui colle la ligne, qui est très intéressant en transition, très rapide, mais encore une fois qui n'est pas assez efficace. Donc ça aussi ça peut être un point négatif concernant Nico Williams. Mais bon, on verra, on verra. Pour l'instant c'est un peu tôt. L'article de Mundo Deportivo évoque le fait que le Barça doit d'abord régler ses problèmes de fair play financier, mais qu'il fait partie de la liste des joueurs intéressants pour ce poste d'ailier gauche que le Barça veut absolument renforcer lors des prochains mois. Donc là on met ça de côté, on suivra. Concernant le poste de milieu de terrain, le poste de 6, Mundo Deportivo a fait une liste de joueurs qui intéressent le Barça. Il y avait le nom de Giorgino qui peut être libre de tout contrat. Onana qui pourrait pour 50 millions d'euros venir à voir si Everton descend de catégorie pour qu'il soit encore moins cher. Euh, on a eu le nom d'Alex Garcia, de Kimich. Bref, ils ont fait un petit reporting de tous les joueurs qui intéressent le Barça à ce poste-là. Pour l'instant, il euh, faut savoir que celui qui intéresse le plus... Il s'agit d'Onana et également Kimic, qui sont les joueurs les plus intéressants pour déco en tout cas. Donc avoir évidemment le prix, tout dépendra également du fair play financier de la Liga, comme vous le savez. Voilà pour toutes les informations mercato de la journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.